Une paire éditée à 200 exemplaires dans le monde, des baskets pour femmes, des modèles hauts en couleur, c'est tout de suite dans le zapping de la basket. On démarre cette semaine avec la sortie d'une nouvelle Jordan 5, inspirée cette fois-ci du célèbre show télé Le Prince de Bel-Air. Elle devrait sortir le 5 octobre prochain, alors si vous êtes accro à la série et fan de la Jordan 5, cette paire est faite pour vous. Pour la sortie de la collection 1951, la marque Lacoste propose 4 de ses silhouettes classiques dans une collection capsule. Elle est composée uniquement de paires blanches au style épuré qui devraient plaire aux adeptes de la marque au crocodile. Elle sera disponible chez certains revendeurs très prochainement. C'est déjà la 9e collaboration de l'année pour Reebok et Sneaker Stuff. Cette fois-ci, c'est muni de la technologie Gore-Tex qui garantit étanchéité et confort que Reebok propose son modèle de l'automne paré d'un colorway camo très tendance. La paire est disponible depuis le 30 septembre. Encore une collaboration réussie. Chez Supra, c'est une chaussure en édition limitée qui retient toute notre attention. Ce modèle, en camouflage rose, est muni de 2 scratchs en crinière de poney. Un modèle girly qui devrait ravir nos ados en quête de swag. Elle sera disponible fin septembre sur le site de la marque. La marque Adidas profite de la Fashion Week parisienne pour nous concocter une version collector de la Stan Smith OG limitée à 200 exemplaires dans le monde. La paire sera distribuée par le concept store parisien Colette. Reebok et Basing App ont revêtu la tenue de camouflage décidément très tendance de nos jours pour nous présenter la Insta Pump Fury, parée d'un imprimé camo. Elle est notre coup de cœur de la semaine. C'est avec une exclue que le distributeur anglais Size célèbre l'arrivée de l'automne. La Adidas Tobacco, composée de cuir suédé premium dans un coloris kaki, est pour l'occasion remise au goût du jour pour le plus grand plaisir des nostalgiques du modèle. Le marché du running lifestyle est en plein boom. C'est la raison pour laquelle la marque ASICS vient de réintroduire la ASICS Gel Light 5 en 2 coloris sortis aux États-Unis. Le modèle fera son retour en France en début d'année prochaine. C'est une Vans Era High California Hiker qui vient compléter la collection automne de Vans California. Le modèle est décliné dans une version montante avec un aspect outdoor et un imprimé 1K au niveau de la cheville, du plus bel effet. La Air Jordan 6 est la paire avec laquelle Jordan remporta son premier titre NBA. Elle fêtera ses 23 ans en 2014. À cette occasion, la marque en profitera pour ressortir quelques-uns des coloris originaux. On sait déjà que la Air Jordan 6 White Infrared, rééditée en 2010, reviendra au mois de février 2014. Une date à noter dès à présent dans vos smartphones. Fraîchement auréolé du titre de champion d'Europe de basket avec l'équipe de France, Tony Parker nous présente son pro modèle, la TP9 Quickness, disponible sur le store online France de la marque PEC. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On vous attend sur la page Facebook Parlez-vous Sneakers, sur la page Dailymotion Parlez-vous Sneakers. D'ici là, usez vos kicks et bonne semaine à tous!